Your Honour, I got that to for Jerry Pupu. After how to Jerry to put that to, but he made it up on Terfo. After two tap on Terfo, I got that to President. Tato du mutia mai ti e te nuna. Yona nai to tato whare ai tene pupu. Tui aru upa. Tato papa e prauhei. Mon papa e vea. E journalist. Yona nai to tato whare ai tene pupu. E piti takuro upa e tu e rei mua i tato. Te whahoi du oi prauru tui a tratang tahiata. Maru Peretini, Yorana Fatrihel, Yorana Amitato Terami Teni Upeyapi, Naruto it ore ter amite mu af if April not in a ture epiti tatato, of out it to miteroto, tia aunit fofa, Nama watarita sanju e teuatu teemo, ture iteini pepe, Maru. Maru, how horo atuate the proito tatu to any atarita? Faro pau tui te pro api o faro e mei te tuahine tō tatu o Marijo, Madame Tiamotong, tēniru e utou a mōle i te tiara apap e praurahei, tui te piha aporarahe o tō tatu whenu. Tēniru e tatu ho e miniti, tia tatu i neono tfatura a iana e tonu utua wharewhetia. Maruru, Madame Tarita Sanju. Aïe, Madame Tahiata. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre des travaux du Conseil de la protection sociale et de l'action sociale, le pays s'est engagé à apurer le déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés, arrêté au 31 décembre 2010 et estimé à 16 milliards. Cette prise en charge par la Polynésie française se traduira par le versement sur une période de 20 ans au régime général des salariés d'une somme annuelle de 800 millions de francs. À la demande des partenaires sociaux qui souhaitent isoler les crédits relatifs à cette prise en charge, il est proposé de créer un compte d'affectation spécial qui a pour objet l'apurement du déficit cumulé au 31 décembre 2010 de la branche maladie du régime de couverture sociale des salariés de Polynésie française, appelé régime général des salariés. Les recettes de ce fonds pour l'amortissement du déficit social, FADES, sont tirées de l'affectation de l'augmentation des taxes fiscales portant sur l'alcool, le tabac et les produits sucrés tels que prévus dans le projet de loi de pays portant résorption de la dette sociale en Polynésie française. Pour l'exercice 2011, compte tenu du vote tardif du budget général, le budget du FADES s'établit à 600 millions de francs. Tel est l'objet de la présente délibération qui est soumise à votre approbation. La discussion en général est ouverte. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président. Une simple observation, Madame la secrétaire générale, ne serait-il pas opportun de faire approuver par l'Assemblée la nomination des deux nouveaux rapporteurs pour plus de garanties par les temps qui courent peut-être qu'il serait préférable de se couvrir totalement. Je vais vous lire l'article 28 du règlement intérieur des projets et des propositions de délibération. Les projets et propositions de délibération accompagnés d'un exposé des motifs
sont enregistrés au secrétariat général de l'Assemblée, puis transmis par le président de l'Assemblée à la commission compétente. Le président de la commission désigne le ou les rapporteurs parmi les membres de sa commission. Ça suffit. Il y a aussi une autre possibilité. Après avis de la commission, le président peut désigner un ou des rapporteurs non membres de la commission. Maruru, nous passons à la délibération. Madame Chantal. Article 1. Il est créé un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds pour l'amortissement du déficit social FADES. La discussion est ouverte sur l'article 1. Pas de questions. Oui, Monsieur Jean-Christophe Bouchot. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour, chers amis représentants, ainsi que toutes celles et ceux qui nous suivent en ce moment. N'y a-t-il pas, maintenant un déphasage entre le rapport qui vient d'être lu et sur le financement de ce fonds et les décisions qui ont été prises par notre Assemblée la semaine dernière? Parce que nous venons de lire le rapport qui a été préparé par les rapporteurs absents et sur la base de l'idée de Gaston Tongson de faire financer ce fonds par des affectations de taxes, mais aussi par financement du pays. Donc nous avons, il est quand même bon de le dire et que ce soit consigné dans le PV, nous avons donc modifié le financement de ce fonds par l'affectation, je crois, de 700 millions de francs à partir du budget. Et il y a un amendement qui a été préparé dans ce sens. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Pierre Frébault. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre Yorana, chers collègues Yorana, il n'y a pas de contradiction. Le rapport qui est présenté ne visait qu'une possibilité de financement. Vous verrez qu'à l'article 3 du compte, il est bien prévu des versements du budget général. C'est donc sur cette disposition qu'il sera opéré le versement des 700 millions. Quand bien même le rapport aurait dû, s'il devait être complet, et prévoir toutes les sources de financement. Or, le rapport présenté par le gouvernement s'est arrêté qu'à une possibilité. Et pourtant, l'article 3 ouvre d'autres possibilités de financement. Donc, je ne vois aucune contradiction en la matière. Maruru, Madame Tarita Saint-Jean. Madame de Pretini, au fait, le prochain projet de loi, il y aura un amendement justement pour apporter les 700 millions, donc le budget reste équilibré. Je ne sais pas si Madame la Ministre veut intervenir. Non? Oui, il y aura encore à tous. Effectivement, comme il vient de se dire, vous aviez déposé un amendement, donc il faut absolument que lors de ce débat aujourd'hui, qu'on puisse corriger en fonction de l'amendement qui a été déposé. Je mets au vote l'article 1 pour l'article 1 à l'unanimité. Maruru. Article 2. Ce fonds a pour objet l'apurement du déficit cumulé au 31 décembre 2010 de la branche maladie du régime de couverture sociale des salariés de Polynésie française appelé régime général des salariés. Oui, Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Moi, je note que c'est bien l'apurement du déficit cumulé au 31 décembre 2010. Et j'espère bien que tous les gouvernements qui se succéderont, ainsi que les gestionnaires du régime des salariés, feront en sorte qu'on n'ait pas l'année prochaine ou dans deux ans, à modifier la date de cet article 2, parce qu'on
on aura trouvé le bon moyen de faire financer un déficit de l'assurance maladie du régime des salariés. L'exemple de la CADES, qui avait été créée pour résorber une fois une dette à un moment donné, est parlant. Les années suivantes, les différents gouvernements ont chargé à nouveau la CADES en métropole de résorber les déficits successifs. Donc, je le dis parce que je pense que c'est un devoir que nous devons avoir et maintenir cette idée à l'esprit de tous pour éviter que l'on ait un déversement lié à une gestion qui manque de rigueur pour les années à venir. Là, je parle vraiment pour l'avenir parce que c'est une façon trop facile de résorber les erreurs ou le manque de courage que l'on a pu avoir quelquefois pour anticiper des risques de déficit de la branche assurance maladie. Et moi, je le dis, je dis également que je m'interroge sur le fait que l'on résorbe uniquement là le régime des salariés. Il ne faut pas oublier aussi que le régime des non-salariés comporte 2/3 de ses affiliés qui déclarent moins de 150 000 francs par mois. Donc c'est vraiment un problème de rigueur dans la gestion. Je le dis pour l'avenir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, monsieur le sénateur. Monsieur le Président, je pense qu'en ce qui concerne la délibération portant création du fonds, je ne vois pas de difficulté majeure. Mais la difficulté réside peut-être dans l'exposé des motifs et dans le quatrième alinéa. Les recettes de ce fonds pour l'amortissement du déficit social FADES sont tirées de l'affectation de l'augmentation des taxes fiscales portant sur l'alcool, le tabac et les produits sucrés, tels que prévus dans le projet de loi de pays portant les options de la dette sociale en Polynésie française. Or, nous avons annulé ces taxes, cette loi du pays. Il faudrait peut-être modifier ce paragraphe et le rédiger autrement, puisque ces recettes sont substituées par d'autres recettes. Peut-être que notre collègue Frébeau pourrait nous faire une proposition d'une rédaction adaptée aux décisions qui ont été prises la semaine dernière. Marou, Monsieur Pierre Frébeau. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans la mesure où on constitue un fonds où on prévoit, en termes de ressources, plusieurs possibilités, y compris un impôt, même si l'impôt n'est pas voté aujourd'hui, on peut toujours prévoir que le jour, il y aurait un impôt. Rien n'est interdit de prévoir que ce chiffre soit bien isolé, que cette recette. Mais aujourd'hui, l'impôt n'existe pas. Donc, l'article 3, il s'agit d'une possibilité, de toutes les possibilités. Ça ne remet nullement en cause la construction du texte. C'est dans la mesure où, à l'avenir, un impôt serait créé que l'article 4 s'appliquerait. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt. Donc, on peut le conserver en l'état. C'est quand même l'Assemblée qui, au départ, décide s'il y a impôt ou pas. Mais dans la mesure où l'avenir créerait un impôt, bien entendu, il faut isoler la recette de l'impôt. Ça ne pose pas de difficulté, M. le sénateur. Nous pouvons l'adopter en l'état. M. Jacques Hidrolet. Et, il y aura un aide pour les titanes. Naronea ou Ehapapu et Totatot au foie. Téma et Tiratato et Nuit au pouvoir acturé. Aïtatato et Maïtine et Téup au pro. Ou ite pa atote ta ta ita ta tu e fari ite ye ha marar ait mo tute. Tine ta te te fan hora e te ye ta piere fa hi tine. E ta te irva numara toru e hapa puya ta tu. A te ia piti aturu a maha apa tuhua. Ta te irva toru e hor omeine e tuito ta tu rima no te fa ira ite ene afat.
aitat mon o te tofa i hape. Aitat ora i tanoro no te mea te maiti no ra tatua ni te genei opuar ature. No rira te ani nei te tapura amuia o e pretiteni ma i ni tatu he tatu he atae rero i te ihuga. Maruru, o tūto tatu mana. Oui, merci Monsieur le Président. Non, je voudrais revenir sur ma déclaration initiale. Il n'y a pas de contestation sur la délibération. Nous sommes d'accord, tel que c'est rédigé, on prévoit les sources de financement du fonds, que ce soit par affectation de taxes parafiscales, que ce soit par des subventions qui sont versées par le pays. Mais l'esprit de la loi, c'est aussi le fait que lorsqu'on met dans un exposé des motifs que le financement de ce fonds provient de l'affectation des taxes sur les alcools et sur le reste, là, à mon avis, ça pose problème, surtout dans le contexte où nous sommes, puisque nous avons rejeté cette idée. Donc, c'est simplement pour que ce soit consigné dans le PV. Voilà, c'est tout. C'est pas pour refaire l'exposé des motifs, mais il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, à mon avis, les gens qui viendront à relire ensuite nos travaux, par exemple au commissaire, bien, aura une bonne compréhension du fait que l'exposé des motifs n'a absolument rien à voir avec la délibération qui a été votée. Voilà. Ah, je pense que une suspension de séance de 5-10 minutes pourrait. On passe à l'article 2 quand même. On passe au vote à l'unanimité. Madame Tayata Chantal. Article 3. Les ressources du fonds sont constituées par des impôts ou par d'impôts, des versements du budget général de la Polynésie française, des subventions de l'État, des dons et legs et des emprunts. Oui, Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais faire remarquer à mes collègues que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un texte réglementaire vient officiellement affirmer le financement du régime des salariés par de la fiscalité. C'est vrai que dans le cadre du passé, il y a eu des subventions, ne reposaient pas forcément sur des textes de l'Assemblée. Je crois qu'il y avait peut-être uniquement l'ACR et encore l'allocation complémentaire de retraite. Pour le reste, c'était des subventions liées à des accords. Aujourd'hui, nous venons officiellement contribuer à la résorption d'un déficit, ce qui revient en fait à alimenter la branche assurance maladie du régime des salariés, qui reste toujours comptable des équilibres, responsable des équilibres. Et ça peut paraître anodin, mais en réalité, je pense que c'est essentiel d'officialiser aujourd'hui par un texte le fait qu'en Polynésie, on accepte de financer le régime des salariés par de la fiscalité, et notamment l'assurance maladie. C'est ce qui se fait dans bon nombre de pays qui ont des systèmes de sécurité sociale comparables aux nôtres depuis longtemps, et c'est tout à fait normal et moderne. Mais moi, j'aimerais également qu'on puisse acter de cette façon que et l'Assemblée et le gouvernement doivent avoir beaucoup plus de vigilance pour encadrer la gestion par le conseil d'administration du régime des salariés de ses finances. Parce que vous savez très bien que historiquement, il y a eu une gestion tripartite, puis après, les établissements publics, les services publics, les communes et la Polynésie n'ont été, et c'est le cas aujourd'hui, administrateurs du régime des salariés qu'en tant qu'employeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'employeurs, mais en tant que collectivité que nous venons
financer le régime des salariés. Donc nous devons nous donner les moyens ici de ne pas être seulement les payeurs, mais d'être aussi acteurs, beaucoup plus actifs dans et beaucoup plus regardants dans les décisions qui seront prises par le conseil d'administration. Et en particulier, c'est le rôle du gouvernement qui a rendre exécutoires les décisions du conseil d'administration du régime des salariés. Donc, moi, je suis favorable dans la mesure où un financement par la fiscalité doit aller de pair avec un regard plus important sur la gouvernance du régime des salariés. Sinon, ça ne sera qu'une une gomme pour effacer la mauvaise gestion. Merci. Alors, M. Jacques Hydrolé. En fait, M. le Président, Mme Armel Merceron veut être l'œil de Moscou. Monsieur Drolet, vous étiez en voyage. Eh bien, pendant toute cette période agitée, nous n'avons pas entendu vos observations. Alors, s'il vous plaît, on a encore deux textes. Bouclez-la. Monsieur le sénateur. Merci, Monsieur le Président. Dans cet article 3, à quel paragraphe alors se situe le reversement de l'excédent des fonds de l'accident, des accidents du travail vers ce FADES? Non? D'où proviennent les fonds qui seront versés au FADES? Première question. Deuxième question, et c'est vrai, Madame Merceron a tout à fait raison. Nous amorçons là une question de fond très importante. Il ne s'agit pas simplement du remboursement de la fameuse dette des 16 milliards. Mais aujourd'hui, l'Assemblée s'engage pour cette dette-là et pour un avenir plus lointain peut-être, et puis pour tous les déficits possibles de la Caisse de prévoyance sociale. Eh bien, les partenaires sociaux qui dirigent la Caisse de prévoyance sociale n'auront plus qu'à se retourner vers le pays et dire au pays, bon, il y a un déficit, nos charges sont très très lourdes, nous n'avons pas les moyens d'assumer ces charges-là, ne pouvez-vous pas créer des impôts comme vous l'autorise la délibération que vous venez de créer? Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau dans notre pays. Le paiement des déficits éventuels de faire participer le budget du pays au fonctionnement et aux dépenses de la CPS. Quant au paragraphe sur les subventions de l'État, je crois qu'on peut toujours rêver, hein, ça coûte rien de le mettre. Oui, peut-être la loi Morin, mais il ne s'agit pas de subventions, il s'agit de sommes dues. Ce ne sont pas des subventions pour la loi Morin. Mais, enfin, ce n'est pas sur ce point-là. C'est une question de principe très important. Nous mettons là
le doigt dans un engrenage et nous ne savons pas où nous allons. D'autant que nous sommes représentés au conseil d'administration de la CPS que très minoritairement. Je pense qu'il va falloir, dès lors que nous participons au déficit de la CPS, eh bien, que le conseil d'administration de la CPS soit réparti à parts égales entre les partenaires sociaux, le territoire devenant le troisième partenaire et à part entière. Ce fameux territoire que les syndicats de l'époque avaient jeté dehors à grands coups de fracas. Et les voilà aujourd'hui venant mendier dans la main du pays pour leur dire « au secours ». Ce jour-là est arrivé. Ben, il faut retirer subvention de l'État. Alors ça, autonomie. Monsieur Pierre Frébeau. Je voudrais d'abord rassurer le sénateur, c'est donc le deuxième alinéa des versements du budget général qui constitue donc la possibilité pour le fonds de recevoir les 700 millions qui auraient dû être versés, non pas à l'accident du travail, mais aux prestations familiales, à la branche prestations familiales. Donc nous avons bien prévu, dans la rédaction se tient, il n'y a pas de difficulté. Et d'autre part, monsieur le sénateur, vous posez une question de fond, effectivement. Dans la mesure où les cotisations sociales ne suffisent plus à régler la protection sociale, dès lors qu'il y a intervention du budget public, c'est donc par la charge de l'impôt que l'équilibre pourrait être obtenu. Et dans ces conditions, les décideurs, c'est-à-dire l'Assemblée ou le gouvernement, sont tout à fait habilités à redéfinir le contexte de la protection sociale, y compris l'organisation des structures de cette protection sociale. Je m'explique, l'aboutissement normal devrait être une caisse unique pour la maladie, afin de traiter de manière égalitaire, lorsqu'on verse du budget général au régime, que ce soit de salariés ou du RNS ou du RSPF, s'agissant de l'impôt, ça doit être au profit de tous les ressortissants. C'est donc la logique d'avenir qui devait se créer. Elle n'est pas aisée à mettre en œuvre face aux organisations syndicales et aux employeurs. C'était, hélas, un peu la partie du projet Terre A inachevée, je le reconnais. Mais l'avenir est là. Cela voudrait dire également que la représentation politique aura déterminé les conditions de relèvement, les taux de revalorisation, les conditions d'équilibre. Donc, de plus en plus, me semble-t-il, compte tenu de la situation, on ne peut plus conserver le régime des salariés à côté des deux autres régimes. La refonte consisterait à faire passer les branches en régime et non plus un régime avec plusieurs branches. C'est l'exemple en France. Il y a, je dirais, la sécurité sociale qui traite la maladie, le régime des retraites. Mais aujourd'hui, nous avons un système où le régime appartient à la qualité des personnes qui y rentrent, c'est-à-dire qu'ils soient salariés ou non salariés. L'avenir, il faudra traiter tout le monde, quelle que soit sa qualité, dès lors qu'il y a un financement public. Donc on devait transformer les régimes, ce sont les branches qui deviendraient des régimes. C'est-à-dire, demain, il y aurait un régime maladie, et non plus le régime CPS avec une branche maladie. De même pour les prestations familiales, c'est cela l'avenir si on suit ce dispositif. Et je pense que la tâche, Madame la Ministre, sera ardue en la matière. Mais je crois que par cette décision-là, on ne peut plus reculer. Je dirais que c'est déjà l'orientation de la réforme qui se met en place. Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je voulais aussi rassurer Monsieur le Sénateur, c'est bien des déficits jusqu'au 31 décembre 2010. Donc, ça sera à l'Assemblée dans le futur, éventuellement, de modifier ce verrou.
Mais cela nous engage quand même pour une douzaine d'années, je crois. 20 ans. On est déjà engagé pour 20 ans, là. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement, on ne peut plus nier le fait que nous avons à être regardants. Et pour ce que disait M. Fribaud, moi je suis aussi tout à fait favorable à cette fusion des branches des trois régimes qui sont aujourd'hui nos trois régimes de la protection sociale. Il y a trois conseils d'administration qui étudient les mêmes délibérations. Le conseil des ministres rend exécutoire les mêmes délibérations puisqu'il y a unification de notre système de protection sociale en matière d'assurance maladie. Cela existe depuis 1995. C'est extrêmement lourd. Ça doit être aussi extrêmement coûteux. Et c'était aussi... dans le cadre de TLTRA, si ça a été proposé, c'est aussi une idée que j'avais écrite noir sur blanc dans les projets de réforme de la protection sociale pour les travaux qui se sont arrêtés en novembre 2009. Et je suis vraiment contente de voir que c'est une idée qui se développe parce que c'est véritablement la solution. L'inquiétude des salariés et des employeurs est de dire « Oui, mais si on met tous les Polynésiens dans une même branche, nous allons être amenés... » Le gouvernement, évidemment, parce que c'est toujours le vilain, ou l'Assemblée, ou le politique, va nous faire payer aussi pour les non-salariés. En fait, l'informatique aujourd'hui, dont dispose la CPS, lui permet d'avoir une idée complètement exacte des dépenses qui sont liées à des gens qui sont du RNS, au RSPF ou au régime des salariés. Donc on peut très clairement voir ce qui ressort de l'emploi salarié, de la solidarité et du mixte que représente le RNS. Après, c'est à l'Assemblée de s'entendre, de définir très clairement dans le financement de la seule branche assurance maladie des Polynésiens. D'abord, nous ne sommes que 265 000. Et deuxièmement, c'est vraiment de l'efficacité que l'on trouvera là. Il suffira de définir très clairement la part que l'on entend financer par la contribution, la part que l'on entend financer par la fiscalité. Ça se fait dans bon nombre de pays. Alors vivement que l'on arrive à cette réforme, parce que pendant ce temps-là, je rappelle que les choses sont compliquées. Et là, je vous rappelle que le fonds, c'était 9 milliards à résorber au 31 décembre 2010. C'est passé à 15 ou 16 milliards au 31 décembre. Non, pardon, c'était au 9 milliards au 31 décembre 2009 et c'est passé à 15 milliards au 31 décembre 2010. Alors, vous voyez que ça va extrêmement vite. Merci. Monsieur Pierre Febou. Oui, Monsieur le Président, pour compléter mon propos, parce qu'il y a versement de la part du budget général du pays, n'oublions pas que les ressources du pays proviennent de l'impôt. Donc, obligatoirement, une autre réforme devrait être mise en œuvre. C'est celle de l'imposition des Polynésiens. Ne faisons pas que la moitié du chemin. On ne peut pas éviter ce débat. Il n'est pas aisé, ce sera sur plusieurs fronts, mais forcément, car quand on parle de fiscalité, c'est bien la contribution de chaque Polynésien. Il y a une logique qui se tient. Le temps nous dira de quelle manière on pourra y arriver. Where there is a will, there is a way. Madame Agami. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame la Ministre. Juste pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la phase 2 de notre organisation, puisque dans un premier texte, nous avons validé la possibilité de pouvoir intervenir dans le cas de la résorption de ce déficit. Aujourd'hui, nous sommes en train de valider le fonds qui va permettre d'intervenir à ce niveau-là. Et dans une troisième phase, nous aurons à voter une délibération qui organise financièrement ce fonds.
Dans la première phase, l'élément important qui ne figurait pas était celui du remboursement par l'État des conséquences du fait nucléaire par rapport aux salariés qui auraient eu à être contaminés et à tomber malade d'un cancer. Donc c'était le sens de l'intervention de M. Frébeau que j'ai totalement soutenu. Dans cette deuxième phase, il me semble qu'il manque cet élément. Parce que quand on reprend l'article 3, il s'agit bien de subventions de l'État au troisième point, troisième tiré, mais on ne parle pas de remboursement de l'État. Est-ce qu'on ne devrait pas également insérer cet élément ? C'est une question que je pose. Hein. Est-ce qu'on ne devrait pas insérer cet élément, sachant que dans l'organisation financière que vous nous aviez soumise, il semblait important de souligner que le pays n'interviendrait que s'il y avait un déficit et si l'État venait à rembourser une part, eh bien nous rembourserions en fait la différence jusqu'à apurement de ce déficit. Donc voilà le sens de ma question, Monsieur le Président. Merci. Oui. Merci. Cette loi Morin, c'est ponctuel. Ça, c'est au moins pour 20 ans. Oui, Monsieur Pierre Febaud. Oui, là encore, Monsieur le Président, nous avons pris toutes les précautions en la matière. Je trouve d'ailleurs que le gouvernement l'avait envisagé, en ce sens que tous les versements émanant de l'État au titre de la réparation venaient réduire le déficit. Donc, c'est ensuite sur ce solde du déficit que le pays accompagne en termes de remboursement. Deux possibilités, soit en intégrer directement en ressources, mais en maintenant le niveau de déficit, soit en le réduisant, de sorte qu'ensuite le financement ne concerne que le reliquat du déficit. C'est la seconde solution qui a été proposée, parce qu'on ne connaît pas encore le terme de la convention et des accords. Ça aurait été déjà préjugé de la situation, parce qu'on ne sait pas si c'est le pays qui va signer la convention avec l'État et la CPS, ou c'est directement l'État, le ministère de la Défense, avec la CPS. Il valait mieux donc agir en amont sur le déficit, de sorte que le solde fera l'objet ensuite de l'intervention du pays. Donc nous avions deux possibilités, c'est celle-là qui a été retenue. Et donc ça se tient tout à fait. On peut continuer avec ce projet de texte. Maritime et avant, Monsieur Jean-Christophe Bussou. Non, sans pour cela faire traîner le débat, mais je crois qu'il faut discerner deux choses. Les versements des indemnisations de la loi Morin, de même que les excédents de la branche maladie du régime du RGS, viennent en diminution de l'intervention du pays. Ça ne vient pas en diminution du déficit. Donc il faut bien le souligner, hein ? Bien. Donc, pour répondre à la question du sénateur tout à l'heure, il a raison de poser la question. Et qu'en est-il des excédents ? Ben, les excédents, en réalité, seront comptabilisés en déduction de l'intervention du pays. S'il y a des excédents, il n'y a pas d'intervention du pays. Par contre, s'il y a un déficit ultérieur, il faudra décompter les excédents précédents dans l'intervention du pays pour l'exercice en question. Voilà, je souhaitais quand même apporter cette information pour que l'on soit clair sur la création de ce fonds. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voulais vous dire, et à vous, chers collègues, que au départ, nous étions opposés à la création d'un tel fonds, c'est-à-dire un fonds qui servirait pour boucher les trous de la CPS qui viendrait payer les déficits sociaux. Car ce serait prendre un risque et offrir une solution de facilité. Dès qu'il y aura un problème à la CPS, on se retourne vers le territoire et, le territoire prenant en charge par des impôts payés par tout le monde, y compris par les ressortissants du RST
paierait ce déficit social. Nous aurions préféré un fonds beaucoup plus large, le fonds de solidarité, qui alors prendrait en charge le déficit du RSPF, les déficits, les aides aux handicapés, dans tout le domaine social, et non pas cantonné uniquement aux déficits sociaux de la CPS. C'est un peu là notre appréhension pour l'avenir. Bien sûr, M. Frébault nous dit ici, c'est cantonné uniquement à ce déficit cumulé jusqu'au 31 décembre 2010. Oui. Peut-être. Il sera tellement facile de retirer ce nombre de phrases et puis ça y est. Nous sommes partis pour tout, d'autant que nous ne maîtrisons pas l'ensemble des données de tous ces systèmes d'assurance maladie, de travail, de retraite et autres. Je vous remercie, M. le Président. C'est tout, le Dotaouma, notre fonds de solidarité. Monsieur Géros. Oui, Monsieur le Président, je crois que pour la bonne compréhension, il faut mettre en relation. Les trois textes, c'est-à-dire la loi de pays d'abord, et ensuite les deux délibérations, celle sur laquelle repose notre attention en ce moment et celle que nous allons adopter après. Quand vous prenez, par exemple, la situation du déficit. Au niveau de la loi de pays, il est clairement établi que ce déficit va être fixé par arrêté pris en Conseil des ministres à une date bien précise, 31 décembre 2010. Et ça ne concerne que celui du RGS. Ensuite, concernant les excédents, à la LP3, la loi de pays précise bien que les excédents qui seraient constatés chaque année au titre du résultat de la branche maladie du RGS diminueront à due concurrence. Donc là, on est fixé, on est clair. Il nous reste juste à voter le cadre de ce fonds et ensuite son budget. C'est tout. C'est vrai que la question de l'intervention de l'État peut prêter à confusion parce que d'un côté, une interprétation nous dit que ce n'est pas une subvention, c'est un remboursement. Mais je pense que ça fait partie de l'intendance de la gestion de ce fonds après. Parce que de toute façon, tous les paramètres de financement du fonds ont été prévus dans le cadre, justement, de la délibération que nous examinons en ce moment même. Donc, je pense qu'on est bon pour la mise en place de ce fonds, me semble-t-il. Alors, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le président du pays nous a proposé un financement de ce déficit avec de la fiscalité et plafonné à 600 000. Nous, on fait mieux. À 600 millions, nous, on fait mieux. Sans fiscalité, on finance à 700 millions ce fonds. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Oui, même vote adopté. On avance, Madame Tahiata Chantal, nous sommes à l'article 4. La direction des finances et de la comptabilité. La direction du budget et le service du contrôle des dépenses engagées sont informés par le payeur de la Polynésie française du montant des recettes recouvrées. Discussion est ouverte. Oui, Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je m'interroge, au vu des questions, des observations qui ont été faites, sur le fait de savoir qui va tenir la comptabilité de ce fonds. Parce que chaque année, il faudra bien prendre en considération donc le montant qui, si on prend l'année prochaine ou cette année en 2011, le montant initial auquel il faudra déduire éventuellement les versements de l'État au titre de la loi Morin. Et tenir compte également du versement du budget général de la Polynésie. Et également des excédents de la branche assurance maladie, s'il en arrivait.
Voilà. Donc, est-ce que c'est la direction des finances qui va fournir cela une fois par an? Comment la CPS va-t-elle être contrainte de fournir ces informations? Est-ce qu'on peut considérer que le dispositif tel qu'il est bien défini? Et j'ai également une autre question. Dans l'article LP3 de la loi que nous avons votée, il était dit que les excédents qui seraient constatés chaque année au titre du résultat de la branche maladie du régime des salariés diminueront à concurrence le montant du déficit restant à apurer au moment de leur constatation. Et dans un des amendements de cette loi que nous avons adopté, il est dit que, au titre de la prise en charge du déficit et jusqu'à son complet apurement, la Polynésie verse chaque année à la Caisse de prévoyance sociale, au régime des salariés, une somme de 800 millions, diminuée le cas échéant du montant des excédents du régime constatés à la clôture des comptes. Donc tout ça est un peu confus puisque d'un côté, on considère qu'on vient diminuer le montant à rembourser, mais que d'autres, on en avait parlé du reste déjà vendredi, et d'autre part, ça viendrait diminuer le montant. Donc, ceci étant un petit peu compliqué, je m'interroge pour savoir qui va qui va établir ces comptes. Et j'anticipe un peu sur l'article 6, ça m'évitera de reprendre la parole à ce moment-là. Il est dit, à l'article 6 que nous n'avons pas encore étudié, que le ministre en charge de la protection sociale rend compte de la gestion du fonds au Conseil des ministres. Moi, je trouve que l'Assemblée pourrait être aussi informée, à tout le moins au moment de l'étude du budget. Monsieur Piafébou. Je ne pensais pas qu'on allait refaire le débat. Il est prévu dans la loi de pays. Lorsqu'on aborde le paragraphe des 800 millions, qui constitue donc le versement annuel, que les excédents viendraient en déduction, en ce sens que les excédents de l'année passée viendraient en déduction sur le versement de l'année qui serait donc opéré. Donc c'est pour permettre justement au curseur de bouger. Je crois qu'on avait pris cette précaution. Ensuite, le ministre est chargé, le ministre chargé de la protection sociale, mais c'est bien entendu dans les modalités pratiques, l'arrêté d'application qui organisera ce détail du suivi. Si dans l'arrêté d'application, il fallait également prévoir qu'il sera rendu compte à l'Assemblée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, il s'agira de l'arrêté d'application. Je crois qu'on a l'ouverture classique d'un fonds. Avec cette particularité, c'est la première fois où dans un fonds concret, dans la mesure où il y aurait, à l'avenir une fiscalité, on introduit la notion de direction des finances. Dans tous les fonds que nous avons créés par le passé, jamais cet article 4 n'était apparu. Je crois que c'est un point essentiel. Donc c'est pour bien savoir quels sont les éléments. À ce titre, dès lors que la direction des finances dispose de ces éléments, je pense que l'Assemblée et les élus sont en droit de lui demander ces éléments. Mais tout cela devra être traité par l'arrêté d'application et les modalités pratiques. À quel moment seront donc entérinées la situation de l'excédent ou par excédent? Je rappelle que le gouvernement doit entériner les budgets de la CPS. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaîtront excédents ou déficits de l'année considérée. Et de quelle manière cet excédent s'est formé ou ces déficits s'est formé. D'autant que le président avait bien compris que la modification que nous avons opérée sur la loi de pays, c'était justement pour éviter un nouveau tour de passe-passe sur les cotisations. Hein, il était aisé, je dirais entre guillemets, pour les membres du conseil de dire, dès lors qu'on a ce financement, réduisons nos cotisations pour se maintenir à l'équilibre. Et c'est justement là la particularité de faire figurer ça, de bien distinguer la situation. Donc, à mon avis, tous les outils sont prêts. Reste au gouvernement de le mettre en bon fonctionnement. Voilà. Je pense qu'il faudra très rapidement ouvrir les discussions avec et le conseil d'administration de la CPS et les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats. Ça, c'est
indispensable pour ne pas qu'on dise là-haut que, ça y est, ils ont déjà décidé, sans nous consulter. Hein, on connaît les répliques des uns et des autres. Maïti Ratato. Et pour l'unanimité, Maruru Ratatoumoua. Article 5. Les dépenses du fonds sont constituées par des versements au régime général des salariés, le remboursement des emprunts en capital et intérêts. Par intervention sur l'article 5, nous passons au vote, même vote adopté, nous passons, oui, à l'article 6. Le ministre chargé de la protection sociale rend compte de la gestion du fonds au Conseil des ministres. Maruru, pas de discussion, pas d'intervention non plus sur l'article 6. Nous passons au vote, même vote adopté, nous passons à l'article 7. Le FADES doit toujours présenter un solde créditeur. Le disponible en fin d'exercice est automatiquement reporté sur l'exercice budgétaire suivant. En cas de clôture du fonds, le solde créditeur est reversé au budget général de la Polynésie française. C'est beau, hein? Oui, Madame Algon. Merci, Président. Bonjour à tous. C'est surtout la dernière phrase de cet article, article 7, et notamment les termes « en cas de clôture ». À mon avis, il vaut mieux être beaucoup plus précis et écrire « à la clôture » ou « dès la clôture du fonds ». Parce que ça, « en cas », c'est pas tout à fait... pas tout à fait précis. Et ça, c'est ma lecture. C'est on veut fermer ou on ne veut pas fermer. Peut-être qu'il faut mettre à la clôture du fonds, le solde revient. Merci. Monsieur Géros. Oui, Monsieur le Président, sous réserve des explications des uns et des autres, moi, je pense qu'il faut prendre la phraséologie qui est utilisée là dans son acception littérale. Mais pas juridique et ni comptable. Parce que je vois effectivement, d'un côté, on peut clôturer un compte, on fait une clôture comptable, et là, je pense que tous les ans, ben, il faut le faire au moment du bilan. Et puis, il y a la clôture définitive, et c'est plutôt de celle-là dont je parle lorsqu'on est en fin de gestion du crédit. Là, on fait une clôture définitive, et puis, bon, alors cette gestion, normalement, on la veut pour 13 ans, mais... Non, mais je veux dire qu'on la veut pour cette durée, mais compte tenu des aléas de la possible participation en termes de remboursement de la loi Morin et puis d'autres possibilités de financement en plus des annuités de remboursement du pays, donc on peut écourter d'autant la durée de remboursement et effectuer bien entendu une clôture définitive de ce compte à une date donnée. Donc c'est peut-être dans ce sens qu'il faut comprendre la façon dont le texte a été rédigé. Maruru, nous passons au vote de l'article 7. Même vote adopté, nous passons à l'article 8. Des arrêtés pris en Conseil des ministres précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente délibération et les modalités de fonctionnement du FADES. Par intervention... Passe au vote, même vote adopté. Nous passons à l'article 9. Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Pas d'intervention. Quel président? Passons au vote de l'article 9. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Maruru, Hardatoumou, passons au dossier numéro 9. Rapporteur, qui sera rapporteur, Madame Saint-Joutarita, vous avez la parole. Les conclusions des réflexions menées par les partenaires sociaux, Président, la Caisse de prévoyance sociale et le pays pour combler justement ce déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés, aboutissent justement à cette création d'un fonds pour l'amortissement du
du déficit social FADES. Et donc, ce fonds-là sera alimenté. Il y a un amendement constat à l'article 1er. Alors, les dépenses du fonds consisteront en des versements au régime général des salariés. Alors, pour l'exercice 2011, compte tenu du vote tardif de notre budget du pays, de toute façon, ce budget du FADES s'établit à 600 millions. Voilà l'objet de cette présente délibération. Non, à 700 millions. Ah oui, je modifie tout à l'heure avec l'amendement. Merci. Je demande à l'auteur de la délibération de nous donner lecture, M. Giros. L'amendement. Il faut qu'elle lise. Il y a la discussion d'abord. S'il y a des interventions. Il n'y en a pas. Article 1er. Pour l'année 2011, le budget du compte spécial dénommé Fonds pour l'amortissement du déficit social est arrêté par chapitre en recettes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 600 millions, conformément au tableau annexe à la présente délibération, ainsi qu'il suit. Alors, en recettes directes, le chapitre 992, gestion fiscale, 600 millions, qui donne un total des recettes directes de 600 millions. En dépenses directes, en attente. Non. Alors, c'est le chapitre 967, travail et emploi, 600 millions, qui donne un total des dépenses directes de 600 millions. Marourou, nous passons à l'amendement, M. Géros. Voilà, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui modifie l'article 1er du projet de délibération dont nous venons d'avoir lecture de l'article 1er. Donc, il est proposé de porter le budget du Fonds pour l'amortissement du déficit social FADES à 700 millions de francs dès 2011. En conséquence, l'article 1er du projet de délibération approuvant le budget du Fonds pour l'amortissement du déficit social FADES pour l'exercice 2011 est modifié comme suit. Au lieu de 700 millions de francs recettes, non, au lieu de 600 millions de francs, lire 700 millions de francs en recettes. Le chapitre 990 gestion fiscale est remplacé par le 991 gestion financière. Les articles 712-23, 712-24, 712-41, 712-84, 713-21, 713-22 sont remplacés par l'article 778, autres produits exceptionnels pour un montant de 700 millions de francs. En dépenses, chapitre 967, travail et emploi, au lieu de 600 millions de francs, les 700 millions de francs. Les totaux et les tableaux sont modifiés en conséquence. Conseil de l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Alors, la création du Fonds pour l'amortissement du déficit social FADES proposé par le gouvernement a impliqué une participation financière de 600 millions de francs dont la ressource provenait d'une augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées et le tabac. Soucieux de ne pas alourdir la pression fiscale, il est proposé de porter le financement du FADES à 700 millions de francs dès 2011 d'une part et de substituer les recettes parafiscales prévues par une subvention du pays d'autre part. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Je demande à l'auteur de l'amendement de nous lire l'article amendé. Pour l'année 2011, le budget du compte spécial dénommé Fonds pour l'amortissement du déficit social est arrêté par chapitre en recettes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 700 millions, conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit. En recettes directes, chapitre 990, gestion fiscale, 700 millions, qui donne un total de recettes directes de 700 millions. En dépenses directes, le chapitre 967, travail et emploi, 700 millions. Total dépenses directes, 700 millions.
Oui, Madame Montaï Lévian. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur? Il me semblait que l'amendement portait sur le 991 au lieu du 990. Donc on ne serait plus en gestion fiscale, on serait en gestion financière. Enfin, si j'ai bien suivi. Hein. Monsieur Jean-Christophe Bussou. Monsieur Bussou. Parler. Je voudrais rajouter que s'il y a une annexe, parce que l'annexe que nous avons ici fait état de 600 millions de francs et des origines, donc il faudrait modifier l'annexe également. Est-ce que ça a été modifié? Oui, mais puisque vous faites référence à une annexe, est-ce que vous avez l'annexe? Sinon, c'est toujours la même annexe et auquel cas, nous sommes bien sur les 600 millions de francs au lieu des 700. Je crois qu'il faut modifier l'annexe également. Alors, l'annexe, c'est-à-dire le fonds pour l'amortissement du déficit social, FADES, section de fonctionnement, c'est ça? Alors, au niveau du travail. Je sais pas. On n'a pas. On le dit dans l'amendement, hein. Les tableaux, les totaux et les tableaux seront modifiés en conséquence. Alors, c'est bon. Dans l'amendement, les chapitres, les articles 712-23, 712-24, 712-41, 712-84, 713-21, 713-22 sont remplacés par l'article 778, autre produit exceptionnel pour un montant de 700 millions. Voilà. Ah, je suis obligé de tout relire. Façon vote. Non, c'est bon comme ça. Non, c'est bon. Alors, l'article amendé, c'est ce que j'ai fait. Pour l'année 2011, le budget du compte spécial dénommé Fonds pour l'amortissement du déficit social FADES est arrêté par chapitre en recettes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 700 millions, conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit. Alors, c'est le chapitre 991, gestion fiscale, 700 millions. Oui, gestion financière, 700 millions. Et qui donne le total recette directe de 700 millions. En dépenses directes, le chapitre 967, travail et emploi, 700 millions, qui donne un total dépenses directes de 700 millions. Je mets au vote l'article amendé à l'unanimité. Maruru, face à la délibération. L'article 2, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Par intervention, je mets au vote, même vote adopté pour l'ensemble de la délibération. Même vote adopté. Monsieur Bussou. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés, je crois, pratiquement à la fin de nos travaux. Je voudrais souligner une chose, c'est que
contrairement à ce qui a pu être rapporté à l'extérieur et notamment en termes d'information auprès de la population, nous n'avons pas déversé des amendements sur ce budget. Il y a eu deux amendements de voter sur le budget présenté par le gouvernement de Gaston Tong-Song. Le premier amendement autorisait le versement de 700 millions de francs au fonds d'amortissement que nous venons de voir, le FADES, et nous avons diminué de 20 millions de francs le produit des plus-values fiscales obtenues sur les cessions de biens immeubles ou meubles. Et donc, tout ce qu'on raconte sur le fait qu'on a totalement transformé ce budget est faux. Ce que notre président de gouvernement a déclaré à la télévision hier soir comme quoi il ne reconnaît plus son bébé est faux. Je souhaitais le dire maintenant parce que, au bout d'un moment, lorsqu'on fait de la désinformation auprès de l'opinion publique, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même tirer un tout petit peu la sonnette d'alarme. Et moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'on favorise la manipulation de l'opinion. Alors, je demande une chose, c'est que la presse fasse son travail et n'aille pas alimenter des fausses informations auprès de notre population. Ou alors qu'on nous dise exactement quel est l'objectif de la presse. Non, franchement, j'ai pas raison de le dire. Au bout d'un moment, quand même, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déverser le vase, vous voyez. Deux amendements sur ce budget. Et d'ailleurs, au niveau des masses en recettes et en dépenses, il n'y a pas eu un seul franc de retirer ou de rajouter. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire. Je voudrais féliciter tous les représentants pour la qualité de nos travaux. Merci. Prétini. Te vai fifi pretini roto tutato ni urara tramu papa i pro ai trato fa e mai trapo o opere tramu papa i ya o opere hia o muara tatato ya hamatara tatato rurura te mo amonmo e o hoi rato o fa o hipa no rato te e mo mia fatiti ai farora ai trato i ti e i te mai ti ai hope te mai ti ra no papa i tarato pro e ana pura te hapa pura o pro aso ke sa wisu e wa tau no rato tnia te mo pa te mo pro i opere hia ai titi e tata to ta pro hi pa i au tiro tau mo no na tato pe firu re ha tata to hi pa era ve no te mo pa ai ve te haore no ne ni to tato tu e na tato rarat mo me ha mama atute no tarato mo api pro. Madame Lady Agamin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tous nous remercier pour le travail réalisé. Je pense qu'un des actes les plus importants que nous avons à faire chaque année, c'est de voter le budget. Ce budget qui permet de mettre en place les moyens dans les différents domaines, notamment dans le domaine économique, puisque nous savons que c'est cette activité économique qui ramène des ressources, des recettes, et qui permet également de financer tous nos plans sociaux. Donc, merci à chacun. Et pour ce qui concerne le travail de la presse, je crois qu'il appartient à chacun de faire son travail. Moi, je ne suis pas venue ici pour faire le procès de qui que ce soit. Nous sommes en démocratie. Nous sommes encore en démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer. Quand on n'est pas d'accord, on s'exprime et on le dit. Voilà. Monsieur Gélos. Oui, mais quand vous vous exprimez et que vous utilisez ce support démocratique pour vous exprimer et qu'on vous ressort un communiqué complètement perverti et avec des critiques qui n'ont rien à voir avec le communiqué, on est en droit de se poser un certain nombre de questions quand même. Ça a été le cas de l'UPLD. À deux reprises, nous avons, pour essayer justement de lutter contre cette désinformation et apporter la vraie information,
Nous avons apporté deux communiqués et le lendemain, c'est la moitié ou même le tiers de communiqués qui a été repris et éclaté de manière à ce que ce soit en définitive un non-sens. Monsieur le Président, ce que je souhaiterais, c'est que l'ensemble des formations politiques qui sont représentées au sein des groupes ici, à travers leur porte-parole ou leur président, puissent se rencontrer pour la suite des événements. Parce que, alors je ne sais pas si c'est de l'information, de la vraie information, de la désinformation ou tout simplement un mensonge tout court, mais j'ai l'impression que nous sommes avec deux budgets aujourd'hui. Et là, nous venons de terminer donc la session extraordinaire qui nous vaut maintenant, au niveau administratif, la transmission officielle pour l'exécution de ces documents. Donc je souhaiterais donc que les représentants de chaque groupe puissent se réunir pour se concerter sur une prise de position commune que nous allons adopter ici en séance, afin d'être transmis entre les mains du haut-commissaire, qui est seul garant de la légalité des actes et de la légalité de leur exécution. Donc c'est le souhait que je formule pour qu'on puisse quand même se prémunir du risque de voir nos actes après se retrouver à chaque fois à se faire arbitrer par le juge parce que c'est pas le bon acte qui a été promulgué, ou etc., etc. Donc voilà ce que je propose, Monsieur le Président. Merci. Madame Alguin. Merci, Président. Je voulais juste venir sur le premier point qui avait été abordé par les uns et les autres, et notamment l'exprimer en français. Il y a peut-être eu des malentendus, mais je voudrais dire, puisque les médias sont là, au début de la séance de l'étude du budget, il y a eu effectivement distribution des amendements, mais nombreux. Mais là où vous avez manqué certainement le déroulé de l'information, c'est que tous ces autres amendements ont été retirés. OK ? Donc il n'y a eu que deux amendements qui ont été retenus, et notamment ceux pour lesquels qui ont été cités par M. Bouissou. Donc voilà, je vous donne la bonne information et dans la langue de Molière. Merci. Monsieur le sénateur. Je remercie Madame Alguin. Alors, dans la langue de Molière, celle que je pratique sur le plan statutaire, les amendements n'ont pas été retirés, mais ils n'ont pas été proposés. Et c'est toute la différence. Mais les amendements demeurent, ils ont été présentés, enregistrés au secrétariat général de l'Assemblée, mais n'ont pas été présentés. Et j'espère, Monsieur le Président, compte tenu, malgré tout, des faiblesses du budget qui nous a été proposé par le président de la Polynésie française, que l'un de ces jours prochains, eh bien, nous puissions corriger ce budget. Mais pour revenir à la proposition de notre collègue Géros, j'ai devancé son vœu et je voudrais vous proposer une résolution que nous étudierons peut-être en commun au cours d'une suspension de séance, si vous en étiez bien d'accord, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pierre Febaud. Oui, Monsieur le Président, on s'est beaucoup exprimé sur nos travaux, la qualité de nos travaux et la manière dont il est arrivé. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il faut en retenir. C'est que nous avons proposé donc un budget à la Polynésie en évitant de peser lourdement sur les contribuables, sur les consommateurs polynésiens, et en évitant également d'enclencher une nouvelle catastrophe économique dans certains secteurs d'activité, tout en tenant l'engagement de participation à la résorption du déficit qui était affiché par les partenaires sociaux. Mais en conclusion, la seule, en ce qui me concerne, moi je m'adresse à Madame le Ministre, avez-vous de quoi travailler sereinement maintenant? Madame la Ministre. Oui, je voudrais à mon tour aussi vous remercier pour le vote qui a été
donc effectuée, puisque vous avez répondu effectivement à cette demande, hein, notamment au niveau donc, du Conseil de protection sociale, d'action sociale des partenaires sociaux, pour la création de ce fonds. Au-delà de ça, nous continuons toujours effectivement à mener les réunions, et là, M. Hiro Tefariri n'est pas là, et je reprendrai son terme, la réforme globale de cette PSG 2. Je pense qu'on reviendra encore ici pour vous soumettre encore, lors d'un prochain collectif, peut-être d'autres désiderata. Merci. Merci. Non, il y a une demande de suspension. Consulte l'Assemblée. Favorable. Suspension. Un petit quart d'heure. Un tout petit quart d'heure. Pas une heure. Allez, le temps de la rédaction de cette résolution. Nous reprenons nos travaux. Il y a une déclaration commune. Qui va nous lire cette déclaration commune? Monsieur Jacques Hydrollet. Monsieur le Président. Il faut vous faire travailler un peu comme dit Armel Masseron. Permettez-moi de lire cette déclaration commune aux trois groupes présents à l'Assemblée de Polynésie, signataires. Donc, je vous la lis. Les élus de l'Assemblée de la Polynésie française rappellent que le budget est l'acte majeur dans la vie d'une collectivité. Son adoption par l'Assemblée est une manifestation du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales par des conseils élus. Après un vote de rejet du budget primitif émanant de l'Assemblée de la Polynésie française le 11 février 2011, le président du pays a transmis à celle-ci le 16 février, conformément aux dispositions de l'article 156-1 de la loi organique statutaire, un nouveau projet de budget pour l'exercice 2011 et les textes y afférents. À compter du 16 février, l'Assemblée disposait d'un délai de 5 jours, soit jusqu'au 21 février à minuit, pour se prononcer sur ces délibérations et lois du pays. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'Assemblée n'aurait pas adopté ces textes dans ce délai que le président du pays disposait de la faculté d'engager sa responsabilité politique. Or, le 19 février, l'Assemblée a voté les lois du pays fiscal et le budget. En conséquence, le président du pays ne pouvait plus engager sa responsabilité. Si toutefois ce dernier estime ne plus avoir la confiance de la majorité des représentants à l'Assemblée, il lui reste la possibilité de présenter sa démission. Certes, le président du pays estime que le nouveau budget et les lois du pays qui l'accompagnent devaient être adoptés selon la technique du vote bloqué, et ne pouvait faire l'objet d'aucun amendement. Mais cette interprétation ne ressort nullement de la lecture de l'article 156-1, et d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi l'Assemblée disposerait alors de 5 jours pour voter ces textes. Même en supposant que cette lecture soit la bonne, ce qui est selon nous contestable, le président du pays constatera que le budget et les lois du pays ont été votés en équilibre, après avoir été amendé. J'insiste sur le terme « ayant été voté en équilibre ». S'il estime que ces textes sont entachés d'illégalité, il ne peut se faire justice lui-même et il lui appartient de contester ces textes devant les juridictions administratives. Par ailleurs, toujours en application de l'article 156-1, le président du pays est dans l'obligation de publier le budget et les textes qui l'accompagnent et de promulguer les lois du pays dans la teneur où tous ces textes ont été adoptés par l'Assemblée, soit au plus tard le lendemain de leur adoption. À défaut,
si le président du pays viole la loi statutaire et qu'il s'abstient de publier et de promulguer ces textes, il appartiendra au haut commissaire de se substituer au président du pays défaillant, ainsi que le prévoit l'article 167. C'est pourquoi les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française demandent à Monsieur le haut-commissaire de la République de veiller tout particulièrement à ce que le président du pays exerce régulièrement ses compétences et ne commette aucune inégalité en la matière en procédant, par exemple, à la publication de faux documents, c'est-à-dire d'un budget et des lois du pays fiscal qui n'auraient pas été votés par l'Assemblée. Les représentants chargent le président de l'Assemblée d'adresser la présente déclaration au président de la Polynésie française et au commissaire. Et c'est signé pour le groupe Yaorat Fenua, Jean-Christophe Bussou, pour le Tahoeira Huilatira, M. Gaston Floss, et par moi-même pour le groupe UPLD. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous allons procéder. Il n'y a pas d'intervention, pas de commentaire. À l'unanimité, adopté. Maroul. Je me demande à Madame la Secrétaire Générale de donner connaissance du relevé de la correspondance. Alors, Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée du 4 février 2011 et arrêté le 15 février 2011. Merci. Maruru, datato il paio per annotare il datato. Oggi ma Maruru lo ti fa utile a datato il dato. Molti a mai ti hia datato e te non ha. E il datato il mero ti nomino hia il dato il te a mi datato e te ne te te montem e tu. Nous sommes les élus du peuple. Ce beau budget a été adopté par des élus du peuple, et c'est un principe constitutionnel qu'il faut respecter. Donc, je transmettrai cette déclaration commune, comme le souhaitait, à Monsieur le Haut-Commissaire, et nous allons veiller à ce que tout se passe comme prévu par les textes. Maruruto Tato Amuirame, il est prévu également une séance extraordinaire pour mardi, ça nous fait mardi 29, 28. Quelle date mardi? Mardi 1er mars, je ne sais pas quelle date. Non, juste en guise d'information, qui convoque l'Assemblée qui, en session extraordinaire? C'est le Président? Ben, c'est la majorité. Ah, mais nous convoquons, nous. Donc, voilà. Bien, ben, si nous devons convoquer, convoquons. Alors, ça sera le 1er mars, donc mardi, c'est le 1er mars. Maintenant, demande l'avis hein, de tout le monde, hein, si on est d'accord. Monsieur Gérard. Oui, Monsieur le Président, pour l'ordre du jour, on va réserver le soin en annexe à la convocation au secrétariat général de joindre, mais il y a un certain nombre de dossiers urgents. Il y a le remaniement des commissions consécutivement au départ d'un des collègues de l'Assemblée et la montée de Thérèse. Et puis il y a d'autres textes également urgents qui doivent passer. Peut-être le budget de l'Assemblée, il faut qu'on en discute. Mais pour tout cela, si tant est qu'on accepte de tenir la séance extraordinaire mardi, il va falloir bien entendu tenir les commissions avant. Donc c'est pour ça qu'ils vont voir au niveau du secrétariat général quels sont les textes les plus urgents. Demander au président de ces commissions de réunir leur commission dans la semaine, tout en respectant le délai de 4 jours avant la session extraordinaire dont on a fixé la date à mardi prochain.
Donc, une probable conférence des présidents vendredi. Conférence des présidents, vendredi, 11h. Alors, pour la convocation, passons au vote. Qui est pour? À l'unanimité, Marou Mouetei. Et bon appétit, Tama Mouetei. Il y a du mal au frais poté, et du bon mal.